Jeanne. Dans son aspect purement bâtimentaire, a pris quelques mois de décalage, comme vous le savez, par rapport au calendrier originel, du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences à la fois sur le niveau d'activité des entreprises que sur l'approvisionnement en certains matériaux. Il n'en demeure pas moins que vous allez pouvoir mesurer l'avancement et même l'achèvement d'un certain nombre d'opérations extrêmement significatives. Vous voyez que plusieurs des façades entourant cette cour des offices sont d'ores et déjà restaurées et découvertes. Et je voudrais pouvoir l'exprimer tout à l'heure, Madame la Ministre, au cours d'un moment de convivialité, d'autant plus que ça fera 5 ans demain jour pour jour. Et la seule reconnaissance que je vais porter pour vous publiquement, avant de l'exprimer individuellement tout à l'heure, c'est la reconnaissance vis-à-vis du candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République quand il est venu ici le 17 mars 2017. Si le président de la République, le candidat n'était pas passé, au-delà de la volonté qui a pu m'animer, nous animer, et je pense, Madame la Ministre, que nous ne serions pas là ce matin, cet après-midi, même s'il n'y a qu'une petite partie, non, une partie assez conséquente des fenêtres qui sont ouvertes. N'ayons pas peur de le reconnaître, l'abandon dont il a fait l'objet de la part de l'État a constitué un véritable scandale patrimonial. C'est à cela que le président de la République a voulu mettre fin en décidant la restauration intégrale de ce joyau. Le moment si longtemps attendu de la renaissance du château de Villers-Cotterêts est venu. Attention, il ne s'agit pas seulement de restituer une architecture, de rendre leur splendeur à de vieilles pierres. Le président de la République a souhaité donner corps dans ce lieu exceptionnel à l'une des plus grandes ambitions culturelles de son quinquennat, créer la Cité internationale de la langue française. Pour la première fois peut-être dans la longue histoire des grands travaux présidentiels, le choix a été fait de privilégier un lieu hors de la capitale et loin des grandes villes, dans un territoire rural. C'est un geste qui me paraît singulièrement fort et éloquent. En matière de culture, il ne saurait y avoir de centre et de périphérie. Toutes les villes et régions de notre pays ont un droit égal. Nous avons un soubassement, donc une base, une colonne, qui soutient par son chapiteau comptablement, extrêmement puissant, comptablement marqué par cette puissante corniche, qui est destinée du rôle ornemental. Depuis la création du plancher, la rampe droite, c'est énorme. Et outre cet exploit de la faire rampe sur chapiteau, on le fait à caisson. Vous connaissez cet appel à projet, ses modalités originales de soutien à la conception puis à la réalisation d'œuvres artistiques. Cette méthode était inédite. C'est un programme qui a été imaginé pour que tout parte des artistes, de leur vision et de leur sensibilité, en leur permettant de créer au gré de leurs envies, de leurs besoins, et de l'avancement de leur pensée, de leur travail ou de leur inspiration. En un mot, ce programme offre aux artistes, seuls ou en collectif,
de laisser donc libre cours à cette imagination, par-delà toutes les classifications habituelles des disciplines. Et il leur offre ensuite également l'accompagnement nécessaire pour venir à bout de leur projet. Il a été déposé plus de 3200 projets après le premier appel à manifestation d'intérêt. Et je me réjouis donc justement de cet intérêt que mon nouveau a suscité auprès d'artistes de tous âges, de toute provenance, de toute discipline. Je tiens à saluer ici le travail remarquable effectué par tous les membres du comité artistique sous la coordination de Bernard Bustel. Par des actes, et donc deux gâteaux d'anniversaire qui nous symbolisent les 5 ans, je ne vais pas dire déjà, 5 ans après, on a vu le résultat, vous l'avez exprimé. Madame la ministre, donc si vous vouliez souffler ces bougies. Alors là, laquelle je souffle ? Celle que vous voulez, vous commencez par celle que vous voulez. D'accord, je vais essayer de ne pas renverser le gâteau au chocolat. Enfin, je le tiens. Voilà, ah, une. C'est pas du couille à main. Et ça, c'est au citron. Ouais. Et voilà. Voilà. Beaucoup plus ancienne. Donc vous voyez bien là l'évolution d'une façade que l'on a dit et que l'on dit encore trop souvent façade Renaissance, mais qui a été profondément transformée au XVIIIe siècle. Dernier point de singularité de cette façade. Si vous regardez le porche central matérialisé par un passage dans cette aile sud du logis royal, ce passage est couronné par un grand balcon. Regardez la ferronnerie du balcon. C'est pas une ferronnerie Renaissance, elle est dans le goût du 18e avec ses grands motifs rocailles de coquilles. Là encore, c'est du 18e. Et ce balcon, tiens donc, il s'inscrit dans un grand arc. Et derrière ce grand arc, un peu maladroitement caché derrière la descente de cet arc, vous avez des vestiges de décor Renaissance. Mais si on allait les voir de près, eh bien on verrait qu'ils sont en partie cachés par ce grand arc qui est dessiné au XVIIIe siècle pour inscrire dans cette façade le grand balcon qui est le balcon du duc d'Orléans et pas de François Ier.